Et attention, oh Sabri, Sabri qui a craché. Oh Sabri, là là, le crash. Oh là 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 là. Il s'est craché dans un endroit du circuit là, Sabri. Incroyable. PS là. Oh la station, il s'est rasé. Oh là là, l'Hypervic. L'Hypervic, il s'est rasé. Incroyable. Il a souffert à faire pour le deuxième du championnat, assuré pour Liveboa et PEM, et on va voir après ce qui va se passer dans ce Grand Prix. Le quatrième n'est pas encore placé, voilà, c'est bon, c'est fait, l'Amso est placé sur la grille. Le départ de ce Grand Prix qui va y être lancé, montez le volume et on se retrouve au premier virage. Et c'est parti, l'Amso ne s'est pas bien lancé. Et Sablé qui est très bien parti au premier virage, on va voir ce qui va se passer. Et PEM aussi est très bien parti. Et regardez l'Amso. Oh, station. L'Hypervic qui allait toucher Didi. Ça s'est touché au premier virage. Ouh là là, station ici. Oh, station. L'Hypervic qui est parti. Oh là là, l'Hypervic qui est parti. Regardez, les deux McLaren se retrouvent donc côte à côte. Le leader du championnat allait avoir eu un avantage, mais il ne l'a plus. Et PEM et Neufeld, deuxième du coup de ce Grand Prix. Les deux Mercedes vont marquer beaucoup de points. Et attention, ils sont côte à côte ici. Ouh là là, attention. Il est parti large, Didi. Ils vont entamer les deux virages à deux de front. Oh là là, quel départ de course! Incroyable! JL qui tient bon! Et regardez les deux McLaren! Encore une bataille McLaren! On en avait eu une à Baku, une à Bahreïn. On n'en avait pas eu en Russie sur la première manche de ce championnat, puisque Sableg était chez Toro Rosso à cette époque-là, par un peu large. Oh, regardez, il va plonger. Il y va, Sableg. Il y va, et c'est passé pour Sableg. Oh là là, quel dépassement. Il est quatrième de ce Grand Prix, le Last to First. Pour l'instant, qui marche. Regardez ces trois pilotes qui n'arrivent pas à se démarquer. L'Amso qui est parti à la fosse. Zamaget Beget s'appelle. Incroyable, le leader du championnat. Oh là 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 là, le leader du championnat parti à la fosse dans Megan Beckett Chapelle. Regardez, il va y aller, sa blague. Il y va, il planche sur Neufeld. Ils se sont touchés, les deux pilotes. Ils sont côte à côte. Et c'est passé pour sa blague. Quelle bataille! Oh, attention, Neufeld qui va y aller. Et Neufeld qui va sur sa blague. Ils essaient d'aller plus loin avec leur super soft. Ils sont peut-être pas usés. Et ça remet les super soft pour sa blague. Stratégie agressive pour son last to first. Neufeld lui met des médiums. Un peu plus tard dans la course. Oh, non, non, non. Oh, attention, il s'est raté. Avec Bois qui s'est raté, qui pousse un peu sa blague. Enfin, j'ai pas très bien vu avec la caméra. Regardez, il va se décaler. Non, il y va pas. Et regardez comment il est proche. Il va choisir l'extérieur. Ah, attention, ne pas pousser au large. Hein. C'est pas beau. Et regardez, il y va pas. Et l'Amso 3 secondes. Et attention, Sableg il y est allé. Sableg qui est parti, qui a fait un dive bomb sur Liveboa, il est passé. Oh, Liveboa qui part au large, attention. Et Sableg va fondre sur PEM. Et attention, il y est allé. Liveboa qui a fait un dive bomb.
Il est en médium, ça sert à rien d'insister. Et il va re-insister, je pense. Regardez, il se rapproche. Il va pas pour l'instant. On fait une erreur et qui a perdu sa position. Rotation. Oh, Libervic. Libervic, il s'est craché. Incroyable. En même temps qu'il y a une bataille entre Rotation. Ça s'est poussé. En même temps qu'on a une bataille là entre Livebomb et Sableg, incroyable. Oui, je crois qu'il va Livebomb. Et oui, le Livebomb qui est effectué. Livebomb qui ne laisse pas trop la place. Il va du coup décroiser. Et il va pouvoir dépasser Livebomb qui est sorti de la piste. Ils sont côte à côte les deux pilotes. Oh, Livebomb qui est parti au large. Et Sableg est passé. Oh là là, il tente. Et Sableg qui va resporter à sa hauteur. Quelle bataille entre les deux pilotes. Livebomb à 3 secondes. Dommage, ça nous gâche de la bataille. Attention, le changement de trajectoire par l'extérieur. Magnifique de la part de Sableg. Oh, quelle bataille. Ouais, il est parti large, Livebomb. Mais regardez comment il est proche, là, Sableg. Avec ses softs. Et l'entrée au centre de Livebomb. Va-t-il ressortir devant Sableg? C'est la question. Et regardez Livebomb. Sableg, pardon. À l'extérieur, sur JL. Oh, magnifique, ce dépassement. Attention, il est passé, Sableg. Attention, JL qui s'est raté derrière et qui est parti en tête à queue. Livebomb, oh, attention, il s'est raté, JL. Ils sont à deux francs. Et c'est bon, Livebomb qui est passé. Jaune. Oh, attention, Livebomb en tête à queue. Dans les enchaînements. Et l'Amso va revenir, du coup. Attention, drapeau jaune. Et dans ce secteur, c'est Livebomb encore une fois. Livebomb encore une fois en tête à queue. Et attention, ils sont côte à côte. Sableg qui est passé. Didi va-t-il faire un Livebomb? Non. Et Didi qui perd son podium, malheureusement. Quel dommage. Et c'est des parties larges. Et regardez, ils sont côte à côte. Problème de vitesse, peut-être. Non, non, non. Et Didi reste accroché à ses deux pilotes. Et regardez à l'aspiration. Oh, Newfell qui change beaucoup de trajectoire. Là, il boit encore 3 secondes. Va-t-il plonger? Il y va! Il y va! Sableg! Oh, Newfell qui a poussé un peu! Et Didi, ça va lui permettre de revenir sur le podium! Il se décale! Dans le dernier tour! 36 secondes d'écart, c'est incroyable! Et l'Amso aussi est proche de Livebomb. On a deux batailles à suivre, on ne sait pas laquelle. Attention. Et c'est celle-ci qu'il va falloir suivre. Regardez à l'extérieur, Sableg. À l'extérieur sur Newfell. Où il va faire. Oh, attention, ils se sont touchés. Et l'Amso et Livebomb aussi se bagarrent. Et il est passé Sableg et Newfell s'est raté. Didi est sur le podium. Et il s'est raté le Sableg. Et RCPM victoire. Et c'est pas encore fini. Newfell pénalité. Et Sableg va encore une fois finir deuxième pour la quatrième fois. Et Livebomb. Oh, Livebomb!
Oh là là, le partant, là je vois qu'il partit avec sa queue. Et c'est bon, Sablek, Pitou, deuxième position pour Sablek. Ah, il y a des ailerons qui sont partis. Ben, dédicace pour DAF, hein, mais c'est pas ça. Et JL qui finit du coup. Cinquième. On s'avance au podium. Ouh, ça s'insulte sur le chat. Et c'est bon, c'en est fini pour ce Grand Prix du Royaume-Uni. Directeur de course, voilà, toutes les pénalités. Il y a des pénalités à partir du premier tour, voilà. C'est tout pour ce Grand Prix